fasten our seat belt. Maintenant, nous devons serrer nos ceintures. Don't smoke. Ne fumez pas. Don't drink. Ne buvez pas. I'm a flight attendant. Je suis une hôtesse. Amen. Amen. So let us stand. Levons-nous. Welcome Brother Ben Shamel. Pour accueillir Frère Ben Shamel. And as he's coming, alors qu'il vient, let us give a hand for the interpreters. Acclamons pour les interprètes. Désolé pour leur voix. But mais may God strengthen each one of them. Et que Dieu puisse fortifier chacun d'eux. Because it's through them. Mais parce que c'est à travers eux. That some people can receive the message. Et que d'autres personnes peuvent recevoir le message. The way they are preaching. La manière dont on prêche. I wish I started preaching when I was 14. J'ai souhaité commencer à prêcher lorsque j'avais 14 ans. So those people who are still the teenagers preaching the gospel. Je crois que ces jeunes gens qui sont encore des adolescents prêchant l'évangile. Don't be afraid to make noise for the Lord. Ne soyez pas effrayés de faire beaucoup de bruit pour l'Éternel. Yes, brother, give us a song to welcome brother Ben. We are not on a rush. Nous ne sommes pas en train de courir. That's what I told Brother Ben. C'est ce que j'ai dit à Frère Ben. Take your time. Prends ton temps. If the devil run from one corner to another corner, si le diable court d'un coin à l'autre, follow him. Fuis-le. Amen. 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 Que cela c'est le désir du cœur. Je souhaitais être amené dans les lieux plus hauts. J'étais là en bas en train d'écouter ce qui s'est passé ici. And you know, I was asking myself, vous savez, je me demandais moi-même. Said, what does it sound like is going on up there? Qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui est en train de se passer là-haut? What is going on up there? Il se passe là-bas. It reminded me of a story. Et cela me rappelle d'une histoire. Of an airbase in Florida. D'un camp militaire là, Florida. And they would fly those jets in and out. Et ils étaient en train de voler les avions. And developers came and built houses near the airport. Et alors on est venu, on a fait des constructions là sur à l'aéroport, autour de l'aéroport. And many of the people didn't like the noise. Et beaucoup de gens n'aimaient pas le bruit. They said it disturbs us. Il dit ah non mais ça nous dérange. We don't like the noise. On n'aime pas le bruit. And so what did the military do? Et qu'est-ce que les militaires ont fait? They put up a sign. Ils ont fait un signe. And the sign said, "Excuse the noise." Et le militaire ont dit, excusez le bruit. But this is the sound of our freedom. Mais ça c'est le fruit de notre liberté. I believe that's what's going on in the church today. Je crois que c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. The devil may not like this noise. Le diable ne peut pas aimer ce bruit. It might disturb the devil. Ça peut déranger le diable. But that's okay. Mais ça nous va. Because this is the sound of our freedom. Parce que ça, c'est le bruit de notre liberté. If you're bound in chains, et si vous étiez lié, you wouldn't be screaming and shouting. Vous ne serez pas en train de crier. But when you are a free mais people, quand vous êtes un peuple libre, then you can shout. Alors vous pouvez crier. Then you can scream. Vous pouvez crier. Then you can proclaim.
proclaim et alors vous pouvez proclamer that this is the word que ceci est la parole for this hour. Pour cette heure. And the devil has no hold et on le diable n'a pas de à mettre ses mains dessus. Oh, praise the Lord. Oh, gloire à Dieu. I sure hope you all feel like I feel. Oh, je crois que vous vous sentez comme je me sens. Brother Faustin, I feel like I could just bust. Oh, frère Faustin, c'est comme si je peux même éclater. These are true revival meetings. Ça, ce sont de vraies réunions de réveil. It's a stirring up. C'est là, c'est en train vraiment de nous already inside the believer. C'est en train de secouer ce qui est déjà à l'intérieur. Oh, praise the Lord. Oh, gloire à Dieu. We're just so privileged to be here with you all. Nous sommes si privilégiés d'être avec vous ici. We want to thank Brother Faustin and the church for the opportunity. Et nous voulons remercier Frère Faustin et l'Église pour l'opportunité to preach with these great men of God. De pouvoir prêcher avec ces grands hommes de Dieu. Brother Daryl and Brother Frère David. Daryl et Frère David. Brother Andrew. Frère André. I grew up listening to these men. J'ai grandi en écoutant ces hommes. So to be standing here and sharing the platform with them. Et de me tenir ici et partager la chair avec eux. It's a great privilege. C'est un grand privilège. And I'm just thankful that in the mind of God, je suis reconnaissant que dans la pensée de Dieu, there's no big eyes and little use. Il n'y a pas de grands devants qui doivent être utilisés. And as long as the word is preached, aussi longtemps que la parole est prêchée, then there is freedom. Alors là, il y a la liberté. Amen. Amen. We know that these services may be a little bit lengthy. Je sais que ces réunions peuvent être un peu longues. If you need to stretch your legs, si vous avez besoin de pouvoir bouger un peu le pied, then stand up and say amen. Et détenez-vous debout et dites amen. If you need to stretch your legs, si vous avez besoin de jouer, bouger vos pieds, then just get up and do a little Jericho march. Alors marcher un peu comme faire un tour de Jéricho. Because we're here to preach the word. Parce que nous sommes là pour prêcher la and parole. And we're not preaching a word of some other day. Nous ne prêchons pas la parole de but notre we're jour. We're preaching a message of victory. Mais nous prêchons un message de victoire. And what I was hearing et ce que j'entendais was the awakening of the bride. C'était le réveil de l'épouse. And that's what I want to preach on this morning. Et c'est ce que je veux prêcher ce matin. I don't want you standing for a long time. Je ne veux pas vous garder pendant trop longtemps. So if you would turn in your scriptures with me. Et si vous pouvez tourner les écritures avec moi. We'll take a familiar thought and a familiar scripture. Nous allons prendre une écriture qui nous est familière. And we'll go to Genesis chapter 3. Et nous allons dans Genèse chapitre 3. Starting with verse 7. Verset 7. And you may say, Ben, this is a very interesting place to start. Et vous dites, Ben, c'est un endroit intéressant où commencer. On the awakening of the bride. Dans l'épouse, le réveil de l'épouse. Genesis 3 and 7. Genèse 3, 7. Says, the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Et les yeux de tous de ces deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. And they heard the voice of God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et la femme et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. And the Lord called unto Adam and said unto him, Where art thou? Et l'Éternel Dieu l'appela et lui dit, Où es-tu? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Et il dit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu. And God said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Car je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Let's flip over also to Revelation. Allons maintenant dans Apocalypse. Chapter 2. Chapitre 2. And Brother Branham told us. Et Frère Branham nous a enseigné. We believe he's the prophet of the age. Nous croyons que c'est le prophète de l'âge. That there are two books in the Bible. Qu'il y a deux livres dans la Bible. That Satan hates the most. Que le diable haït le plus. And we're going to read from both of them. Et nous allons lire de deux. Chapter 2, verse 7. Chapitre 2, verset 7. The scripture says, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Let's bow our heads. Inclinons nos têtes.
Dear gracious Heavenly Father, gracieux Père Céleste, Lord, we're just a privileged people to be gathered here together. Seigneur, nous sommes un peuple privilégié de pouvoir être réunis ici ce matin. Lord, to be able to set aside a weekend, de pouvoir avoir un weekend, where in the natural we are celebrating our freedom, dans le naturel nous célébrons notre liberté, where we can gather together on a Friday, on peut, quand on se réunit, c'est vendredi, and we can set ourselves aside for service et for nous, you. Nous puissions te servir. Lord, we just ask that you would be with us, Seigneur, once more, nous Lord. Prions que tu sois avec nous encore une fois. Have your will and have your way. Et ta volonté et ta voix. We ask these things in Jesus Christ's name. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. We just sure appreciate our brother Andrew. Et nous apprécions vraiment notre frère André. And his ministry. Et son ministère. I just want to point out to you young people. Et je veux vous pointer que jeunes gens. Brother Andrew is what, 26 years old? Frère André a quoi, 26 ans? Something like that. Quelque 26, chose comme 20, ça. 27? Que 27 ans. A 27-year-old message believer. Un croyant de message de 27 ans. A young man. Un jeune homme. That can surrender himself to the Lord. Qui peut s'abandonner au Seigneur. And get results like that. Et avoir des résultats comme ça. And I'm here to tell you. Et je suis là pour vous dire. That if you can believe this message. Que si vous pouvez croire ce message. I don't care if you're 3, 4, 5 years old. Ça m'importe peu si vous avez 4, 5 ans. But if you believe this message. Mais si vous croyez ce message. And this message comes into you. Et ce message vient en then vous. Then you can put the devil on the run. Et alors vous pouvez faire fuir le just diable. Just like brother Andrew. Juste comme frère André. Just like brother Faustin. Juste comme frère Faustin. Just like Paul in the Bible. Comme Paul dans la Bible. Just like brother Branham. Comme frère Branham. Because we have the same right, parce que nous avons le même droit, regardless of age, peu importe l'âge, regardless of upbringing, peu importe that comment nous avions grandi, we can stand on the same message. On peut se tenir sur le même message. We have the same authority. Nous avons la même autorité. We're not preaching a different message. Nous ne prêchons pas un message He's différent. Not preaching a higher message. Il ne prêche pas un message plus élevé. But it's the same message. Mais c'est le même message. That's been here the entire time. Qui a été ici pendant tout ce temps. Even from the beginning. Même depuis le commencement. David writes in Psalm chapter 1. David dans Psaume chapitre 1. He says, il dit, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Nor standeth in the way of sinners. Et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Nor sitteth in the seat of the scornful. Et ne s'assied pas au siège de moqueur. But his delight is in the law of the Lord. Et qui y a son plaisir en la loi de l'Éternel. And in his law doth he meditate day and night. Et médite dans sa loi jour et nuit. So we ought to be meditating on the law of the Lord. Et alors nous devons méditer sur la loi du Seigneur. Both day and night. Jour et nuit. What is David telling us? He's saying you should be consumed et by David the gospel. Dit que vous devrez être consumé par l'évangile. And when you are consumed by the gospel. Et quand vous êtes consumé par l'évangile. He says then he shall be like a tree. Et alors vous serez comme un arbre. Planted by the rivers of water. Planté par les eaux près de ruisseaux d'eau. That bringeth forth fruit in his season. Qui rend son fruit en sa saison. His leaf also shall not wither. Et dont la feuille ne se fleurit point. And whatsoever he doth shall prosper. Et tout ce qu'il fait lui prospère. He is preaching the restoration of the bride tree. Il prêche la restauration de l'arbre de l'épouse. And in the Bible, dans la Bible, mankind is often typed as a tree. Et l'homme, l'être humain est toujours typifié par un arbre. We see this throughout the entire scripture. Et nous voyons cela dans toute la Bible. And we don't have the time to preach the serpent seed to you this morning. Nous n'avons pas le temps de prêcher la semence du serpent ce matin. I believe as message people, we have a pretty good understanding of that. Et comme un peuple du message, nous avons une bonne compréhension de la but chose. But when we are consumed by this message, mais quand nous sommes consumés par ce message, then we should be like a tree that's planted by the rivers of alors nous devons être comme un arbre planté près de courants d'eau. And there's something that is about a tree that's planted by water. Il y a quelque chose qui s'allie à un arbre planté près de courants d'eau. Its leaf will never wither. Alors ses feuilles ne fleurissent point. Because the roots go down deep. Parce que ses racines vont en profondeur. The roots don't sit up on top of the soil. Les racines ne vont pas seulement juste là but sur terre. But the roots are going down into the unseen. Mais ça va là à l'invisible. And it's getting hold of something. Et ça tient quelque chose. It's getting hold
hold of something that other people can't see. Ça tient quelque chose que les autres ne peuvent pas but voir. But it is drawing water out of the river. Mais c'est en train de tirer l'eau de la rivière. And it is taking of that water. Et ça prend cette eau. And transforming it to life. Et ça transforme cela dans la vie. And Jesus Christ gave us a type. Et Jésus-Christ nous a donné un type. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament. He gave us the type of the candlestick. Il montre les typifie cela avec la verge ou le chandelier. Il y avait les chandeliers. But they didn't draw their own oil. Ils ne tiraient pas de leur propre huile. But the seven candlesticks drew from the same oil. Mais ces chandeliers tiraient de cette même huile. We're not drawing from another oil this morning. Nous ne tirons pas d'une autre huile ce matin. But we are drawing from the same life. Mais nous tirons de la même vie. The same Jesus Christ. Le même Jésus Christ. The same power. La même puissance. The same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. And Jesus Christ is the same. Et Jésus Christ est le yesterday, même hier, aujourd'hui. Today. And forever. Et éternellement. And if demons had to flee back then, et si le diable devrait fuir then demons là, have to flee today. Alors ils doivent fuir aujourd'hui. Not anything we can do, pas quelque chose que nous pouvons but faire, by the authority in mais which we carry. Par l'autorité par laquelle nous sommes. The authority in which you carry. L'autorité que vous portez. Point to yourself and say the authority. Et quand vous dites l'autorité. That I carry. Que je porte. Can defeat any devil. Tout diable. Hallelujah. Hallelujah. It's nothing that we can do. Ce n'est pas quelque chose que it's nous pouvons faire. It's nothing that we can earn. Ce n'est pas quelque chose but que we nous are méritons. Drawing. Mais nous tirons. From the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. We're drawing from the same Holy Ghost. Nous tirons du même Saint-Esprit. And when we draw from that oil, et quand nous tirons de cette huile, that is when we begin to understand the mysteries of God. C'est là que nous commençons à comprendre les mystères de Dieu. And we can freely draw from the water. Et nous pouvons facilement tirer de lui. Because we have been planted by the rivers of water. Parce que nous avions été plantés près de courants d'eau. So we see in Genesis that there are two trees in the garden. Et nous voyons dans la Genèse qu'il y a deux arbres dans le jardin. Genesis 2 and 9. Genèse 2, 1, 9. He said, out of the ground was made of the Lord to grow every tree that is pleasant to the sight. Genèse 2, 9. Il fit croire du sol tout arbre agréable à voir. And it was good for food. Et c'était bien pour la manger. So there's fruit trees there. Il y a deux arbres là. And the tree of life also in the midst of the garden. Et l'arbre de la connaissance bien au milieu du Jourdain. And the tree of knowledge of good and evil. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. So we see in the midst of the garden there are two trees. Et alors nous voyons dans le jardin qu'il y a deux arbres. But these are not two trees, these are two persons. Et ça ce n'est pas deux arbres mais deux personnes. The tree of life in the midst of the garden. Et l'arbre de la vie au milieu du Jourdain. You go to Revelation chapter 21 and chapter 22. Vous allez dans Apocalypse 21-22. And you will realize that this tree. Et vous réalisez que cet arbre is none other than Jesus Christ himself. Est tout autre que le Seigneur Jésus-Christ. The tree of life is Jesus Christ. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. So that would also mean that the tree of the knowledge of good and evil cela veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du is mal also a person. C'est aussi une personne. And we see that in Genesis. Et nous voyons cela dans la Genèse. Let's flip over quickly. Allons rapidement. Just to set a foundation, and you'll have to bear with me. Juste pour mettre la fondation, vous devrez faire avec. But this message is kind of a platform for maybe tomorrow. Et ça, c'est un plateforme peut-être pour demain ou une fondation pour demain. But John chapter 6, starting with verse 48. Dans Jean chapitre 6, verset 48. This is Jesus Christ speaking. He says, "I am the bread of life." Parle. Moi, je suis le pain de vie. He is the bread of life from the tree of life. Il est le pain de vie de l'arbre de la vie. And he begins to preach. Il commence à prêcher. He says, "Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead." Vos pères ont mangé de la manne au désert et sont morts. He says, "This is the bread which cometh down from heaven." Et ça c'est l'arbre qui vient du ciel. That a man may eat thereof and not die. Et que l'homme puisse en manger ne puisse pas mourir. I believe I am looking at a people. Et je crois que je suis en train de regarder un genre de peuple. There is going to be somebody. Il y aura quelqu'un. That will not taste death. Qui ne va pas tester à la there mort. There is going to be somebody. Il y aura quelqu'un. That is going to take a rapture. Qui va prendre l'enlèvement.
Jesus says, I am the living bread. Et Jésus dit que je suis le pain de vie. Which came down from heaven. Qui est descendu du ciel. If any man eat of this bread. Et si quelqu'un mange de ce pain. He shall live forever. Il vivra à jamais. And the bread that I give is my flesh. Et le pain que je donne est ma chair. Which I will give for the life of the world. Laquelle que moi je donnerai pour la vie du monde. So we see that Eve. Et nous voyons que Ève. Instead of partaking of the tree of life, au lieu de faire partie de l'arbre de la vie, she had partaken of the tree of knowledge of good and evil. Elle a mangé de l'arbre du pain et de la connaissance du bien et du mal. But our prophet came and brought us a message. Et notre prophète est venu nous apporter un message. And he said there will rise up another Eve. Et qu'il se lèvera une autre Ève. And she's not going to partake of that tree of knowledge of good and evil. Elle ne va pas faire partie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. But she is going to partake of the tree. Elle va faire partie de la vérité. She's going to partake of the tree of life. Elle va faire partie de l'arbre de la vie. So then why is it important? Et pourquoi est-ce que c'est important? Why did Brother Branham have to bring the message of serpent seed? Et pourquoi Frère Branham devrait prêcher le message sur la semence du serpent? Was it just a doctrine to be different? Est-ce que c'était juste une doctrine pour être se différencier des autres? Was it just a doctrine to tickle your ears? Est-ce que ça devrait juste vous chatouiller à l'oreille? Was it just something to catch people's attention? Est-ce que ça devrait juste attirer l'attention des certains? But no, there was a purpose. Mais il y avait un but. On why Brother Branham had to bring back this doctrine. Et comment est-ce que Frère Branham devrait apporter ce message? There was a purpose. Il y avait un but. On why it had to be made clear. Pourquoi est-ce que ça devrait être rendu clair encore? But it was made clear. Mais c'était rendu clair. So that we could understand the revelation. Pour que nous puissions comprendre la révélation. That Jesus Christ is going to be poured out amongst the church in this last age. Jésus-Christ devrait être déversé parmi l'église dans ces derniers jours. We're going somewhere, so nous arrivons quelque part. Restez avec moi. Satan thought he got one over. Satan pensait que non, il avait gagné Satan. Satan thought that he interrupted the plan of God. Satan pensait qu'il avait interrompu le programme de Dieu. I'm going to get ahead of myself. Je vais sauter un peu en avant ici. But by the act of the original sin. Mais par l'acte du péché originel. Every sin. Chaque péché. Every sickness. Chaque maladie. Every evil thing was injected into the human race. Chaque chose de mauvais était injectée dans l'être humain. It was the perversion. C'était la perversion. Of exactly how God wanted to reproduce His children. Exactement comment est-ce que Dieu voulait reproduire ses enfants. God's plan to reproduce. Le plan de Dieu pour reproduire. Was by the spoken word. C'était par la parole parlée. Satan's revival. Le réveil de Satan. Was based on human sensation. C'était basé sur la sensation humaine. It was made up by emotion. C'était par des émotions. It was made up by feelings. C'était par des sentiments. But this Eve. Mais c'est Ève, cette Ève. Trying to contain myself. J'essaie de me retenir. I feel like Brother Andrew. Je running sens around. Comme frère André pour courir autour. But you see the revival of the bride in this last days. Mais vous voyez le réveil de l'épouse dans ces derniers jours. It's not going to be based on emotion. Ça ne sera pas basé sur des émotions. It's not going to be based on human feelings. Ça ne sera pas sur des sentiments humains. It's not going to be based on what the world is saying. Ce n'est pas sur ce que le monde dit. But our revival. Mais notre réveil. Is going to come by the spoken word. Vient par la parole parlée. And it's going to come by the revealed word of this age. Et ça va venir par la parole révélée de cet âge. It's the revealing. C'est la révélation. Of Jesus Christ. De Jésus Christ. That's been here the whole time. Qui était ici pendant tout but ce we temps. Couldn't see it mais on pouvait pas le because voir. It wasn't revealed. Parce que ce n'était pas révélé. It wasn't revealed in Wesley's age. Ce n'était pas révélé dans it wasn't revealed jours. In Luther's age. Ce n'était pas révélé dans but this is a message mais ça, c'est un that's been revealed to you. Qui vous est it's révélé. Been revealed to me. Et qui m'est révélé. And then they wonder why. Et ils se demandent. Why do you get so emotional? Pourquoi est-ce que nous sommes why si do you get so worked up? Pourquoi nous why sommes do you si act like a crazy man? Pourquoi est-ce que vous êtes comme de fou? Because we have the spoken word. Nous avons la parole of Jesus. Christ, de Jésus Christ, the God of God, le Dieu de the Dieu, King of Kings, le Seigneur de Dieu, living de inside roi, of you, et qui vit en vous. But Jesus says in Matthew 15. Mais Jésus dit dans Matthieu 15. He says it's not what goes into a man's mouth that defiles him. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit. But what comes out of his mouth. Mais ce qui sort de lui. This defileth the man. Et c'est ça qui suit l'homme. So we see it's not the fruit that you take in. Ce n'est pas le fruit que vous mangez. But it's the fruit that you give out. Mais c'est le fruit que vous donnez. It's the spoken word of God. C'est la parole parlée de Dieu.
God's world was 100% perfect and pure. Et la parole de Dieu était à 100% pure. It was a pure earth. C'était une terre pure. Everything in the Garden of Eden was perfect. Tout dans le jardin d'Éden était parfait. It was so perfect there was not even rain there. Et si c'était si parfait qu'il n'y avait même pas la pluie. The scripture says every morning that the dew would come and water the plants. Et la Bible dit que non, chaque matin il y avait la rosée there pour arroser la terre. There was not a cloud in the sky. Il n'y avait pas de nuages dans le the ciel. The roses would bud forth with no thorns. Et le rose est en train de pousser sans épines. The leaves could grow so big. Et les feuilles pouvaient grandir si grand. The animals could grow so big. Et les animaux pouvaient grandir si grand. Because it was a perfect place. Parce que c'était un endroit parfait. Absolutely perfect. Absolument parfait. And I just want to give you a small glimpse of this. Et je veux juste vous donner une petite chose ici. If you turn over to Revelation 21. Si vous allez dans Apocalypse 21. Verse 19. Verset 19. God's word is perfect. La parole de Dieu est parfaite. God's word has been perfect this entire time. La parole de Dieu a été parfaite depuis tout ce temps. God's word has been laying here in perfect perfection. La parole de Dieu a été ici avec une chose parfaite. So 2,000 years ago, the scripture is written. Et il y a 2,000 ans, l'écriture a été écrite. And John writes this. Et Jean dit ceci. He says, and the foundations of the wall of the city were garnished. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. With all manner of precious stones. Les premiers fondements étaient de jaspe. The first foundation was jasper. Les premiers fondements étaient de jaspe. The second, sapphire. Les seconds de saphir. The third. Le troisième fourth, an emerald. Les quatrièmes de meuron. Fifth, the sardonyx. Le cinquième de sardoine. Sixth, Sardis. Le sixième Sardis. Seventh, le septième. The crossed light. De chrysolite. Eighth, a beryl. Le huitième de beryl. The ninth, a topaz. Le neuvième de topaz. The tenth, a cryo. I don't even know how to say that. Le suivant, je ne sais même pas comment dire cela. And there are 12 stones. Et il y a 12 pierres. Now you can wonder why was this written in the scriptures. Et vous allez vous demander pourquoi est-ce que ceci est écrit dans les écritures. But there are 12 gems mentioned in the scriptures. Il y a 12 choses qui sont écrites dans l'écriture. Coming down in the New Jerusalem. Qui vient là dans la nouvelle Jérusalem. And if we're looking in the scriptures. Et si nous regardons dans les écritures. We know that when the New Jerusalem comes down, it will be restored back to the original. Et nous savons que quand la nouvelle Jérusalem descend, c'est pour être restauré. It'll be restored back to a perfect place. C'est être restauré à un endroit parfait. And these 12 stones are very important. Et ces 12 pierres sont si très importantes. And if they have the picture, I'd like to project this. Et s'il y a la photo, on peut projeter cela. But there are two types of gems that exist. Il y a deux types de gemmes. And people haven't even started figuring this out until a couple generations ago. Et les gens commencent à voir cela jusqu'à il y a cela quelques générations. But if I'm saying this right, there's isotropic and anisotropic gems. Il y a les gemmes d'astropique et l'autre. And under pure light. Et sous une lumière pure. So if you have polarized sunglasses. Si vous avez des lunettes qui sont filtrées. Those polarized sunglasses are filtering light this way. Et ça va filtrer la lumière dans un sens horizontal. And when I heard of this, I thought this was interesting, so I tried it out. Et alors que j'ai vu cela, j'ai essayé de pouvoir. And if you take two sets of polarized glasses. Et si vous prenez deux lunettes. And you run one set this way. Et vous mettez un dans l'horizontal. And then you take another set and you turn them 90 degrees. Et l'autre vous le mettez en vertical. It becomes darker. Et ça devient noir. When you're looking through. Quand vous regardez au travers. And you can turn them this way. Et vous regardez comme ça horizontal. It becomes lighter. Ça devient plus blanc. You go this way. Vous allez vertical. It becomes darker. Ça devient encore plus sombre. And what's happening is the polarization is filtering the light. Alors, qu'est-ce que ça arrive, c'est que non, la polarisation où on into what scientists call a more perfect light. Et c'est que la science dit, a c'est more une lumière, pure light. Une lumière plus pure. But if you are looking at these gems, mais quand vous regardez ces gemmes, through pure light, sur une lumière pure, this is what it looks like. C'est à quoi ça ressemble. Colorful stones. Vraiment de belles pierres. Beautiful stones. De très belles pierres. But we don't even, I can't even pronounce a lot of these names. Mais je ne peux même pas prononcer la plupart de ces noms. I would have never chose those stones to be in the foundation. Je n'aurais même pas choisi cela.
If I was thinking of something to be of value, si je pouvais appeler quelque chose de valeur, I would say I would build it out of silver. Je le construirais de l'or, d'argent, du diamant. You could bring up that other picture. Oui, mais vous pouvez montrer l'autre photo. But this is a photo of anisotropic. Mais ça c'est de l'anisotropique, de pierres anisotropiques. But there is no color at all. Mais il n'y a pas de couleur du tout. God's word is perfect. La parole de Dieu est parfaite. Under pure light. Sous la lumière pure. We're not living under pure light now. Nous ne vivons pas sur une lumière pure. But the scripture says. Mais l'écriture dit. One day. Un jour. The lamb will be the light. L'agneau sera la lumière. And when we return back to the original condition quand of the church, dans la condition when we return back to the original state dans l'état initial of the world, de la, du monde, when we return back to the original state of light, quand nous rentrons à l'état original de la lumière, we're not returning back to darkness. Nous ne rentrons pas aux ténèbres. But we are returning back to something beautiful. Mais nous rentrons à quelque chose de plus beau. Heaven will be more beautiful than le anything ciel you can sera imagine. Plus beau que ce que vous pouvez vous imaginer. Because we can't even see the things. Parce que nous ne pouvons même pas voir le show that the scripture is talking about. Que l'écriture dit but que this ce scripture sera. Was written 2,000 years ago. Mais cette écriture a été écrite and il y a been laying in there this whole time. Et c'est dormant pendant tout ce unseen temps. Unseen to the world. Invisible au monde. A promise. Une promesse unseen to the world, invisible au monde, laying there for 2,000 years, là pendant 2000 ans, waiting to be made manifest, attendant d'être waiting to be shown under the perfect light, attendant de pouvoir être placé sous une so it could manifest its true colors. Pour que ça puisse manifester ses vraies couleurs. And I'm here to declare to you et je suis là pour vous déclarer that the believer has been waiting, que les croyants attendaient, the church of God has been waiting, l'église de Dieu en temps d'attendre, until we could reflect the pure light, refléter la lumière pure, to where we weren't under a worldly light, que vous puissiez aller dans un to where we weren't under a partial light, sous une lumière but to partielle. Where we're under the full, pure light of Jesus Christ, sous une lumière pure de where we have the entire message là revealed nous to us. Avons le message complet nous est donné. A third pole ministry, a spoken word ministry, la parole parlée. Then we can see who we really are. Alors nous pouvons voir then we can nous see sommes. The true beauty. Et nous pouvons voir la vraie beauté. Alléluia. And that's just a little thing. Et ça c'est juste une petite chose. In the eyes of God. Devant Dieu. That's two scriptures, two verses. Et là c'est deux écritures, deux versets. That's been laying there the whole time. Qui se tient là pendant tout ce temps. And men are just figuring this out. Et les gens commencent seulement à les découvrir. But in the beginning everything was perfect. Mais au commencement tout était parfait. It was pure, it was unadulterated. C'était sans adultère. The blood of mankind. Le sang de l'homme. Was pure, it was unadulterated. Était pur, n'était pas souillé. But Satan thought he got one over. Mais Satan pensait qu'il nous avait eu. He thought he interrupted. Il pensait qu'il avait interrompu. The very plan of Jesus Christ. Le plan même de Jésus-Christ. He thought he had ruined. Il pensait qu'il avait ruiné. The plan of God. Le plan de Dieu. Because he had slipped in. Parce qu'il s'était infiltré. And he had injected. Il avait injecté. He had polluted. Il avait pollué. The bloodline. La lignée de sang. Of mankind. De l'être humain. But I just want to tell you today. Mais je veux vous dire aujourd'hui. There was one thing. Il y a une chose. One thing that he miscalculated. Une chose qu'il n'avait pas bien calculée. And that was the power. Et ça c'était la puissance. Of the blood. Du sang. Of Jesus Christ. De Jésus-Christ. Because there is power parce qu'il y a la puissance in the blood of dans Jesus le Christ. Sang de Jésus Christ. As we heard last night, et comme on l'a entendu la nuit dernière, redeeming power la puissance rédemptrice is greater est plus grande than purchasing power. Que la puissance d'achat. Did you hear me? Est-ce que vous m'avez écouté? Redeeming power la puissance rédemptrice is greater than est purchasing plus grande power. Que la puissance d'achat. Because if you lose your field, parce que si vous perdez votre champ, you may never have the money to buy it back. Vous ne pourrez peut-être pas avoir l'argent pour pouvoir les you racheter. You may never get the purchasing power. Vous ne pourrez peut-être pas avoir la puissance d'achat. But if you have the redemptive power, mais si vous avez la puissance if you have the redemptive power of si Jesus vous Christ, avez la puissance rédemptrice de then what is yours et alors, qu'y a-t-il is de vous restored back to you vous est racheté without the money. Sans argent. That's the kind of God I serve. Ça, c'est le genre de Dieu que je that's sais. The kind of message that ça, we're c'est preaching. Le genre de message que nous prêchons.
It doesn't matter. Ça importe peu. Where you find yourself. D'où vous vous trouvez. It doesn't matter ça what situation. Peu votre situation. But this is the message mais that we're living under. Le message dans lequel the message vivons. Of pure light. Le message the de message la of the spoken word. De la parole parlée. And the devil is trying to tell you et le diable essaie de vous dire that you don't have the right que vous n'avez pas le droit to speak the word. De pouvoir prononcer la parole. But the prophet came to tell us. Mais le prophète vient nous dire. Why cry? Pourquoi crier? But speak the word. Parle la parole. Speak the word. Parle la parole. You have the right. Vous avez le to droit. Speak the word. Speak the word. Speak the word. Speak the word. We're living it up here, life. Nous vivons dans la lumière. Speak the word. Prononce la parole. Speak the word. Prononce la parole. The devil has to flee. Les diables doivent fuir. Oh. Oh. Those devils who didn't run out that door are scared right now. Les diables sont là dehors en train d'avoir peur. Oh, those devils should have ran a long time ago. Ils devraient fuir il y a longtemps. Because the bride is parce beginning to awaken. L'épouse commence à se réveiller. The bride. L'épouse. She's beginning to wake up. Commence à se réveiller. She's beginning to realize. Elle commence à réaliser. That it is Jesus Christ. Que c'est Jésus Christ. The pure light. La lumière pure. The spoken word. La parole parlée. That's living inside of her. Qui vit en l'intérieur. Hallelujah. Hallelujah. So your word votre parole can run off the devil. Va faire fuir le diable. You don't have to be a preacher. Vous n'avez pas besoin d'être un prédicateur. You don't have to be a song leader. Vous n'avez pas besoin d'être un conducteur de chant. You don't have to be an interpreter. Vous n'avez pas besoin d'être un interprète. What you have to be is a believer. Mais vous devrez être un croyant. A believer. Un croyant. Believe. Croyez. The spoken word. La parole parlée. You want the authority of what's in the scriptures? Vous avez besoin d'autorité de ce qui est dans les écritures. Believe the word. Croyez la parole. I said believe the word. J'ai dit croyez la parole. Believe the word. Croyez la parole. But as what was preached yesterday. Ce qui a été prêché hier. The devil believes too. Les diables croient aussi. So what do you got to do? Et qu'est-ce que vous devrez faire? Not only believe the pas word. Pas seulement croire la parole. But you have to put the word. Mais vous devrez mettre into la parole action. En action. Who's going to put the word into action? Qui va mettre la parole en action? He's going to put the word into action. He's going to put the word into action. He's going to put the word into action. Mettez la parole en action. And when somebody starts taking God in his word, et quand commence à prendre quelqu'un then God's word will be fulfilled. Et sa parole sera it'll be fulfilled through the believers dans le croyant that are taking him at his word. Qui le prend sa parole? It's a spoken word age. C'est un âge de la parole parlée. We could only catch that revelation. Si on peut seulement saisir cette révélation. But Jesus Christ is trying to descend down. Mais Seigneur Jésus-Christ essaie de les ramener. Through the spoken word. Au travers de la parole. Into the people. Dans le gens. But you see, we had to learn how to overcome. Vous savez, mais nous devons apprendre comment vaincre. What did Brother Branham say? Qu'est-ce que Frère Branham dit? He said, "How do you overcome?" Il dit comment est-ce que vous allez vaincre? He said in one place, he said, "Overcoming." Il dit dans un endroit, il dit vaincre. You know the quote. Vous connaissez la citation. Overcoming is what? Vaincre, c'est quoi? Overcoming. Vaincre. Is recognizing the devil. C'est reconnaître les diables. In all of his tricks. Dans ses tactiques. No, it's in all of his tricks. Dans tous ses tactiques. So if we're going to recognize the devil in all of his tricks, et si nous devons reconnaître les diables dans tous then ses we tactiques, have to start in the beginning. Et alors on doit commencer au commencement. And Brother Branham brings the doctrine of the serpent seed. Et Frère Branham apporte la doctrine de la semence du serpent. To set a platform. De pouvoir placer une base. He was setting a platform. Il met une base. Telling you what the devil's plan was. Vous dire c'est quoi le plan du diable. So then when he preaches the unveiling of God. Quand il va prêcher le dévoilement de Dieu. You could see the plan of God. Vous pouvez voir le plan de Dieu. Amen. Lord. First Corinthians 6. 1 Corinthiens 6. Scripture says, but now you are washed. Merci, frère. Now you are washed. Maintenant vous êtes nettoyé. Which also means you are loosed. Que vous êtes maintenant libre. You know, sometimes the devil gets one parfois, over us. Parfois, le diable nous prend. And he gets you to admit that you're bound in chains. Ils essayent de vous faire croire que vous êtes lié dans des chaînes. Oh, you're bound in chains of your sin. Vous êtes lié dans le chaîne de vos péchés.
of your transgression. De vos transgressions. That you're bound in chains. Que vous êtes liés dans les chaînes. And the devil tries to tell you. Et le diable essaie de vous dire. He tries to tell you that those are your chains. Il vous essaie de vous dire que là ce sont vos chaînes. And you're shackled by your own chains. Et que vous êtes liés dans vos propres chaînes. But I'm telling you today. Mais je vous dis aujourd'hui. Prisoners. Les prisonniers. Don't walk into a chamber and lock themselves up. Ils n'entrent pas dans la chambre et ils se renferment. But those chains. Mais ces chaînes. Do not belong. N'appartiennent pas. To those being held by the chains. Et qu'est-ce par ceux qui sont liés par les chaînes. You see where I'm going with this? Est-ce que vous voyez où j'en vais? Those chains. Ces chaînes. Do not belong to you. Ne vous appartiennent pas. Those chains. Ces chaînes. Belong to the devil. Appartient au diable. Hallelujah. Alléluia. And Jesus Christ is the chain breaker. Et Jésus-Christ est celui qui brise Jesus les chaînes. Jesus Christ has the spoken word. Jésus-Christ a la parole parlée. And when his parlée. Spoken word came down to Paul. Et quand la parole parlée venait when à Paul. When his spoken word came down to Peter. Quand c'est venu à Pierre. He broke the chains of the enemy. Il a brisé les chaînes de l'ennemi. And those chains were no longer there. Et ces chaînes n'étaient plus those chains le leur. Of the devil could no longer et hold them. Le diable ne pouvait because plus le retenir. Because there was a greater power. Parce qu'il y avait une plus grande there puissance. Was something greater. Il y avait quelque chose de plus grand. That would set them free. Qui allait les libérer. Now if those are your chains. Et si ce sont vos chaînes. Then that's your property. Alors là c'est vos biens. And you'd have to drag those chains et everywhere. Vous devrez tirer avec vous toutes you'd ces have chaînes to drag partout. Those chains vous devrez tirer ces chaînes avec vous. From the house to school. De la maison à l'école. You'd have to drag those chains. Vous devrez tirer ces chaînes. From school de to l'école church. À l'église. But these chains are not mais our chains. Ces chaînes ne sont pas les nôtres. These chains are the devil's chains. Ces chaînes sont appartiennent au diable. Brother Branham came and preached the message. Prêche le message. And he said your sin is just a drop of ink. Il dit vos péchés c'est juste and the blood petit, of Jesus Christ is bleach. Et juste dedans. And it has redemptive power. Et ça la puissance rédemptrice. Because it's going to take it back to parce the original que ça state. Va ramener cela à l'état originel. And when you drop that ink inside et, that bleach. Et quand vous mettez cet encre dans it takes that dans l'un dissolvant. Back to là, the original state where there original. Is no more ink. Il y a plus there is de no more darkness. Il y a plus de there is nothing else that can stain your vesture. Qui peut se tenir there is vous. Nothing else il y a rien that can stain your garment. Qui peut alors but your garment will be pure. Habit. It will be plus. Clean. Ça sera propre. It will be unadulterated. Ça sera sans adultère. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. They're not our chains. Vous n'êtes pas dans les chaînes. So I want to ask you. Et je veux vous demander. What happens? Qu'est-ce qui arrive? If a prisoner is bound by chains. Si un prisonnier qui est lié par des chaînes. And they're set free. Et est libéré. Well, they just sit there in the same place, bro. Est-ce qu'ils vont juste s'asseoir là au même endroit? No, if you're set free. Mais vous êtes libre. If you're set free, brother. Si vous êtes libre, frère. Then you can raise your hand. Vous pouvez lever vos mains. And you can scream and shout. Vous pouvez chanter. And you can say, I am made free. Mais dis que non, je suis libre. Not just by a sensation. Pas juste par une sensation. But I am set free. Mais je suis libre. By the living word of God. Par la parole de and Dieu. A true message. Et par un vrai with message. True revelation. Et avec une vraie for révélation. De cet âge. Not another age. Pas un autre âge. But the rapture age. Mais l'âge de l'enlèvement. Of the Gentile dispensation, a dispensation that will produce que nous produisons your une pure, bride, une épouse of Jesus pure, Christ. C'est Jésus Christ. Run free. Courez libre. Run free. Courez libre. Run free. Courez libre. It's your right. Et ça vous convient. Forgive me for all my snot and slobbering. And... Oh, pardonnez-moi un peu. Like Brother Andrew said, I'm having a good time. Le frère Anderson, je suis en train d'avoir de bons moments. I may not have a voice, but I'm giving it all. Je ne peux pas avoir la voix, mais je donne de mon tout. I'm gonna slap that banner. Je vais vraiment and faire bouger. J'ai dit aujourd'hui. I'm gonna give my all. Je vais me donner mon for tout Jesus Christ. Pour Jésus Christ. Brothers, I haven't even read a quote yet. Et je n'ai même pas encore lu une citation. Oh, devil, you better run. Oh, diable, il serait mieux que tu puisses fuir. Brother Branham says in the invisible union. Brother Branham dit dans l'union invisible.
He says, notice this character. Il dit, remarquez ce caractère. Paragraph 48, if you want to pull it up. Paragraphe 48, si vous pouvez le présenter là. He says, when you see a woman go on a rampage. Il dit, quand vous voyez une femme aller là en train de courir. Just do anything they want to do. Juste faire que tout ce qu'elle veut faire. He says, watch, the church is doing the same thing. Il dit, voyez l'église en train de faire la même chose. But watch. Mais il dit, observez. Oh. Oh, but watch. Mais observez. When the spiritual bride, quand l'épouse spirituelle, when she begins to have a revival, quand elle commence à voir son réveil, right now, Dieu, right now, maintenant, are we in revival? Est-ce que nous sommes dans un réveil? Are we beginning to have a revival? Est-ce que nous sommes en train de danser? Nous sommes dans un réveil. Then this quote is for you. Et cette citation est votre. This quote isn't for next week. Ce n'est pas pour la semaine prochaine. This quote isn't for 1963. Ce n'est pas pour 1953 ou 63. This quote. Mais cette citation. Is for you today. C'est pour vous aujourd'hui. But when she begins to have a revival, mais quand elle commence à avoir un réveil, when she becomes to come back, et quand elle commence à revenir, and light herself up with the word, et elle commence à s'allumer avec la parole, watch then again. Il dit voyez alors. He said watch. Il dit observez. Up there he said watch. Il dit là-bas observez. Now he's saying watch there il again. Il dit maintenant observez là encore. He said, "You'll see how the scriptures." Et vous verrez comment l'écriture. At that time. À ce moment-là. There will be a message. Il y aura un message qui va parler l'épouse. Alléluia. There's a message. Il y a un message. That's been sitting here the whole time. Qui s'est tenu là pendant ce tout ce temps. But when it begins to sweep the bride. Mais quand elle commence à balayer l'épouse. And she begins to line up. Et elle commence à s'aligner. When she begins to line herself up with this avec word, cette parole, the spoken word, la parole parlée, of Jesus Christ, de Jésus Christ, the pure light, la lumière the redemptive power, la puissance rédemptrice, it's gonna catch you. Ça va vous saisir. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Wow. Wow. There's a message. Yeah, message. That's going forth. Qui est en train d'avancer. To catch the bride. De pouvoir saisir l'épouse. It's Jesus Christ. C'est Jésus Christ. Redeeming back. Qui rachète. What was lost. Ce qui était perdu. It's not gone. Ce n'est pas parti. He's redeeming it back. Il est en train de les racheter. If I'm not careful, I'm going to get on my message for tomorrow. Si je suis pas, je n'attire pas attention, je vais entrer dans mon message pour demain. This message, ce message is to restore back, c'est de pouvoir restaurer the third pole, le troisième pôle, back to the believer. À l'épouse, à see, croyant. Vous dites que je ne crois pas that the third pole ministry was just for Brother Branham. Que le troisième pôle c'était seulement pour Frère Branham. I don't believe that. Je ne crois pas cela. I believe that God has a bigger plan. Je crois que Dieu a un plus gros plan. I think if God wanted a one-man bride, si Dieu voulait avoir une épouse avec un seul homme, he would be up in heaven, alors il serait là au ciel, enjoying his honeymoon. En train de pouvoir se jouir de son. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Scripture says this is l'Écriture a dit que ça c'est un corps de plusieurs membres. Alléluia. Many-membered body. Un corps de plusieurs that hommes. Would include me. Cela m'inclut that moi. Include you. Ça vous inclut. That include you. Ça vous inclut. Because you parce que vous are now spotless. Vous êtes maintenant you're blameless. Sans tâche, sans you are ride. Pure. Vous êtes you're pur. The bride of Jesus Christ. Vous êtes l'épouse de Jésus Christ. Oh, well, how do you il dit bien, mais comment est-ce que vous ben? Savez, comment est-ce que vous savez, frère Ben? How do you know that's the truth? Comment est-ce que vous savez que c'est la vérité? Like Brother Andrew says, I'm glad you asked. Comme frère André l'a dit, je suis heureux que vous avez demandé. Invisible union. L'union invisible. Paragraph 265. Paragraphe 265. Devil, are you ready for this? Le diable, tu es prêt de ceci? Devil, you might want to be running out right now. Satan, tu serais bien que tu puisses fuir maintenant. There's somebody about ready to have a good jubilee right now. Il y a quelqu'un qui va avoir du jubilé maintenant là. Brother Branham says. Frère Branham a dit. You might be. Vous pouvez être. No. No. He says if you're good enough. Il dit si vous êtes assez bon. He says you are. Il dit mais vous êtes. The pure. Vous êtes pur. Virtuous. Vertueux. Sinless. Sans péché. Bride. Une épouse sans péché. Son of the living God. Du fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia.
It doesn't matter what your past is. It doesn't matter what you've done. It doesn't matter what situation you find yourself under. But you are the pure, the virtuous, the sinless bride of the Son of the living God. You see, Satan miscalculated. He thought when he injected his seed into Eve, he thought he got rid of this problem. Fini avec ce problème. But what he didn't realize, mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il était en train de traiter avec une grande armée. Il était en train de traiter avec une armée qu'il allait le vaincre. Il créait une armée qui avait avoir une appréciation pour le puissant de Jésus-Christ. Et une armée that could be thankful for the blood of Jesus Christ. Qui peut être reconnaissant du sang de Jésus. Every man and woman chaque homme et femme that's born of the Spirit of God qui est né de l'Esprit de Dieu and washed in the blood of Jesus Christ et qui est nettoyé ou and believes sang de every Jésus, word of God et qui croit chaque parole de Dieu stands as though you've never sinned in the first place. Se tient comme si n'avait jamais péché pour commencer. So when those chains are broken off of you, alors quand ces chaînes sont brisées de vous, nobody comes to a prisoner and says, well, those are your chains. Et que personne ne vient et dit que non, ça, ce sont tes chaînes. You gotta haul them out the back of church. Tu dois les amener avec toi là derrière. Those aren't your chains. Ce ne sont pas vos chaînes. It's the devil's job to c'est le travail du diable de he can carry them all the way back to hell. Il peut les amener jusqu'en enfer. Because I'm not going to use them again. Parce que je ne vais plus les utiliser. Because I am a free, je suis libre. Pure, vous êtes sinless, sans péché. L'épouse de Jésus Christ. Because he who he makes free. Parce que celui dont il rend libre. He who the Son makes free. Donc celui dont le Son Fils rend is libre. What? Il est quoi? Bound again in next week. Encore lié jusqu'à la semaine prochaine. Bound again till the next revival meeting. À jusqu'à ce que la réunion suivante. Bound again next Monday. Lundi suivant. No, but he who has made mais you c'est free lui que le Fils a rendu has libre. Made you free il est indeed. Libre. Il est vraiment libre. Jesus. Jésus. The word took my place. La parole a pris ma place. He became me. Il est devenu moi. That a sinner. Que comme un pécheur. That I might become him. Que je puisse devenir lui. The word. La parole. So this is the word in written form. Alors ça c'est la parole d'une manière écrite. The message is the word in spoken form. Le message est la parole sous forme parlée. Right? N'est-ce pas? Listen to what Brother Branham says. Écoutez ce que Frère Branham dit. Going back to paragraph 60. Paragraphe 60. He says, and so are you. Il dit de même que c'est vous. Sons and daughters of God. Fils et filles de Dieu. Sons of God and daughters of God. Fils et filles de Dieu. Before there was even a moon. Avant qu'il y ait même une lune. Alléluia. Alléluia. Stars or a molecule. Les étoiles ou des molécules. He says, you are sons and daughters of God. Il dit vous étiez fils et filles de Dieu. For you are only parce que vous êtes seulement the physical manifestation la manifestation physique of the attributes des attributs that was in God in the beginning qui était en Dieu au commencement. Alléluia. Oh, I thought Brother David was going to preach all over my notes. Non, il va prêcher sur tous mes notes. But you see, when you see a common thread throughout voyez, the revival meetings, tout ceci, quand vous voyez ce modèle dans that les, means God dans le, is trying dans to tell you something. Dans le réunion, cela veut dire que Dieu essaie de vous dire quelque taking chose. Taking ministers from all over the United States. Il prend dans toutes les églises là aux États-Unis. And giving them a common thread. Et il vous donne toute une lignée. You are the word. Que vous êtes la parole. You are the manifestation. Que vous êtes la manifestation. Of Jesus Christ. De Jésus Christ. For the earth today. Pour sur terre aujourd'hui. You're the physical manifestation. Vous êtes la manifestation physique. So listen to what he says. Et écoutez ce qu'il dit. For there's only one eternal or form of eternal life. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Amen. Right? Amen. N'est-ce pas? Eternal life comes from God. Et toute la vie vient de Dieu. La vie éternelle vient and de what Dieu. Does the prophet say? Et qu'est-ce que le prophète dit? And that was God up in heaven and never coming to the earth. And that was you. Et ça c'était vous. That et ça, was c'était you. Vous.
I like the word was. J'aime le terme, le verbe était. Parce que cela identifie avec la phrase qui est avant. Vous n'étiez que la manifestation. You always were. Vous étiez que vous étiez toujours. You always were. Vous étiez toujours. Before there was a moon. Avant qu'il y ait Before la lune. Star. Avant qu'il y ait Before le poil. Avant qu'il y ait le diable. Vous étiez fils et fille de Dieu. But you're only the manifestation. Mais vous n'êtes que la manifestation of Jesus Christ. De Jésus Christ. One form of eternal life, Une and that's forme you. De vie éternelle, et c'est vous. Alléluia. So if you're going to have eternal life, then you always had eternal life. Et si vous voulez avoir la vie éternelle, donc Because vous l'aviez toujours. An attribute Parce que vous êtes un attribut of Jesus Christ. De Jésus Christ. You didn't know anything about it. Et vous ne connaissez rien. But it didn't change anything. Mais cela n'a rien changé. I don't know how Brother Andrew does it. Je ne sais pas comment est-ce que Frère André y fait. I used to live here in the Colorado area, and je vivais ici au Colorado. Et là, vraiment, je perds de souffle. But what are we talking about? Mais qu'est-ce que nous sommes en train de parler? We're talking about the awakening. Nous parlons de the bride of Jesus Christ. De Jésus Christ. At the end of the Gentiles dispensation. À la fin de la dispensation. We're not talking about some emotional work. Nous ne parlons pas de quelque chose de l'émotion. We're not just talking about screaming and shouting. Nous ne parlons pas seulement de crier et de tout. But we're talking about a true, Mais nous parlons d'une unadulterated, vraie, spoken word state of the church. Et l'état même de la parole manifestée de l'Église. And Brother Branham said, Frère Branham dit, when we begin to realize who we are, quand nous commençons à réaliser qui nous sommes, When we begin to catch that revelation right there, Quand nous commençons à saisir and cette our faith begins to build, et notre foi do you have commence faith à that's grandir, beginning to build? Si vous avez la foi when qui your commence faith à grandir, begins to build, et quand votre foi commence some à grandir, sweet morning, et un bon matin, between 6 and 9 o'clock, entre 6h et 9h, there's going to be a rapture. Il y aura un enlèvement. And that's when this manifestation cette manifestation is going to take on. Va prendre the thought that Jesus Christ had of you. Ce que Jésus Christ veut faire. God wants a church that's on fire. Et Dieu veut que l'église soit en feu. You know, vous savez, we do some hunting. Nous chassons un peu. And when you have a fresh kill, quand vous venez de tuer un gibier, if it runs off and you can't find it, et si ça court et que vous ne pouvez pas le trouver, they now have heat-seeking drones. Et ils ont l'endroit où ils vont se cacher. And they fly these drones around to try to find your animal. Et alors maintenant on a tous ces drones qui peuvent aller trouver votre animal. Because it's too dark to track. Parce que c'est trop noir pour pouvoir le suivre. It's too dark to see. Et c'est vraiment trop sombre pour voir. You can't find it because it's too dark. Vous ne pouvez pas le trouver parce que c'est trop noir. But there is something that is sent. Mais il y a quelque chose qui est envoyé. That goes beyond what we can see. Qui va au-delà de ce que nous pouvons And voir. And it's got a special lens on it. Ah, ça a un objectif it's got spécial. An eagle eye lens on ça a un œil d'aigle dessus. They can search out those Qui peut rechercher ces choses? And I believe that God Et je crois que Dieu is looking down amongst his church tonight. Est en train de regarder dans son église And he's looking for a heat source. Il est en train de rechercher une chaleur. He's looking for somebody that's Il est en train on de fire for chercher God. Quelque chose, quelqu'un qui en fait he's de Dieu. Not looking for a deer that's been il ne regarde three weeks, pas, il ne recherche pas un gibier qui est mort trois jours, mais quelqu'un qui est en feu pour Dieu. Somebody that is quelque living. Chose qui est en train de vivre. But there's so many people. Oh, if I scream, I shout, I got it. Parce que quelqu'un pourrait dire que non, si j'avais crié, alors je l'ai eu. They're trying to produce a fire. Ils essaient de produire un feu. A heat-seeking drone. Un drone qui est en train de rechercher la chaleur. No matter how many pictures you paint. Peu importe combien de feux de photos de feu que vous allez peindre. And you put all those pictures out in a field. Et vous mettez toutes ces photos là par terre. The whole field is covered with fire. Et toute la forêt est remplie de toutes ces photos. With a painted fire. Avec un feu décoré. That drone won't see anything. Alors ce drone ne va rien voir. But you begin to bring in the pure light. Mais quand vous amenez la lumière pure, the pure fire, le feu correct pur, the pure Holy Spirit, le vrai Saint-Esprit, le Saint-Esprit pur. Let me ask you something. Laissez-moi vous demander quelque chose. What is it about that photo that people get offended by? Par quoi est-ce que les gens sont offensés de cette photo? Let me ask you this. Laissez-moi vous demander ceci. If it was a picture of Brother Branham with no light, et si c'était la photo de Frère Branham sans lumière, would there be any critics? Est-ce qu'il y aurait des critiques? So they must be il doit offended y avoir, ils doivent être offensés by the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit.
So the message that he brings, alors le message qu'il apporte, they're offended by it, sont offensés par cela, and try to go against it. En essayant d'aller à l'encontre de cela. But it is a pure word. Mais il y a une parole pure. I'll close with this. Je vais terminer avec ceci. I know we're all hungry and je sais que nous avons faim et fatigués. Brother Branham, Frère Branham, he went to go see a show one time. Il est parti voir un show une fois. And it was where they would make fire fall over a mountain. Et alors c'est là où on faisait tomber le feu d'une montagne. And he was actually going to leave, and they said, il "Well, allait if you partir, wait, et il lui dit, then you can see this great spectacle." Et il pouvait voir tous ces artifices. And it'll be fire just falling over the mountain. Et le feu est en train de tomber de la montagne. So Brother Branham being promised something. Et Frère Branham avait été promis quelque chose. Said, "Okay, I'll wait." Et il dit, je vais attendre. So he's waiting. Il attend. Begins to get a little dark. Et ça commence à devenir noir. Brother Branham says in paragraph 320. He says, all at once. Et d'un mot, tout d'un coup. We heard something from the top of a hill. On a entendu quelque chose de la colline. He said a voice coming down through a loudspeaker. Et une voix qui venait avec des solo parleurs. Maybe through a microphone. Peut-être par un micro. And it said, all things are ready. Il dit que non, tout est prêt. All things are ready. Tout est prêt. Then this man standing right there by my side. Et cet homme qui se tenait près de moi. You know, the prophet came and preached a message. Et vous savez, le prophète est venu à prêcher le message. All things are ready. Tout est prêt. He said, what has to take place is only a few minutes. Et ce qui doit se passer, ça va prendre quelques minutes. All things are ready. Tout est prêt. And there by the side of me said, et tout d'un coup il dit, let the fire fall. Que le feu descende. And I'm here to say this evening. Et je suis là pour vous dire ce soir. Let the fire fall. Que le feu descende. Let the fire que fall. Que le feu tombe. Let the fire fall on your que life. Que le feu tombe sur votre vie. Let the Holy Spirit. Que le Saint-Esprit flow over your body. Puisse tomber sur votre it'll corps. It'll touch your sickness. Ça va toucher votre maladie. It'll touch your hurt. Ça va toucher votre it'll terre. Touch your situation. Ça va toucher votre situation. You just have to let the fire vous devrez fall. Juste laisser all le feu tomber. Are ready. Tout est prêt. You want a revival? Vous voulez un réveil? All things are ready. Tout est prêt. The word has been spoken. La parole a été Jesus parlée. Christ is here. Jésus Christ est revival ici. Is yours. Le réveil est votre. So let the fire fall. Laissez que le feu tombe. Let the fire laissez fall. Le feu tomber. Laissez fall. Le feu tomber. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Father, let the fire fall. Je sais que vous avez faim, mais il faut que le feu tombe. Amen. Father, let the fire fall. Father, let the fire fall. Oh, fire fall. Fire fall. Father, let the fire fall. Oh, Father, let the fire fall. Oh, Father, let the fire fall. Oh, fire fall. Everybody, fire, do it fire fall.
sur le diable. Amen. Amen. That's what these meetings are about. C'est ce que ces réunions représentent. Shall we bow our heads? Courbons nos têtes. Speak to each one of us. Et que chacun de nous parle au Seigneur. Amen. Amen. Thank you.
Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Pour l'atmosphère au milieu de nous, Seigneur. For the atmosphere among us. Le prophète dit que the prophet says l'atmosphère produit des résultats. The atmosphere produces results. Tu nous as dit, you told us je vous ai envoyé ma parole, that you, I've sent you my word et ma parole vous a guéri. And my word has healed thee. Cette parole, Père, Lord, it's your word. Transforme, Seigneur. Your word transforms. Cette parole, Père, this word change, Seigneur Jésus. Changes. Dieu bien-aimé, Lord, nous avons écouté, we've heard. Ta parole nous a dit, your word has told us cette parole, that this word vaincra Satan. Will overcome and defeat the devil. N'importe quelle place, in any place. N'importe quel endroit, Seigneur, in any place. Dieu bien-aimé, Lord, nous avons écouté que we've heard vaincre, that overcoming c'est reconnaître, is recognizing toutes les tactiques, the devil's tactics. Du diable, Père. Quand le diable viendra, Père, when the devil will come, nous allons lui montrer la parole. We'll show him the word. Nous allons lui dire, we'll tell them. Il est écrit, it's written. Nous sommes des fils, we are sons des filles, and daughters de Dieu, of God. De la fondation du monde, Père. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus, nous avoir appelé comme un fils, Père. For calling us as sons. Le prophète dit que the prophet says il a du respect, that he has respect à un homme at he respects a man that recognizes ce que what c'est une bénédiction, he is. Lord, that's a, what a blessing is. We understand that a man that listens to your word Dieu de grâce, c'est un homme béni, Père bien-aimé, is a blessed man. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Seigneur. It's like a man planted by qui the water that produces saison, fruits, Seigneur, Dieu bien-aimé. In the season. On n'a pas des efforts à faire, we don't have any effort to make dans la parole, Père. When we get into the word. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Nous avons écouté, Père. We've heard. Dieu bien-aimé, la foi, that faith, tu nous as dit que vient de la parole, Père. Comes from the et word. Ta parole a été prêchée, Seigneur. Had been preached. Maintenant, nous les croyons du cœur, and we believe it from the bottom of our heart. Du cœur, because we, from the bottom of our heart, bouche, and in professing it mouth, salut, Seigneur. That takes nous us there. Nous avons écouté, we've heard, nous avons cri, we've nous believed, que nous sommes and we confess that that's what we are. We are sons and daughters of God. Merci, Seigneur, thank you, Lord, pour cette initiative for that initiative pastor, that you've put in our pastor être dans une atmosphère comme ça, to Seigneur, be in such an atmosphere. Je crois que, Père, I believe que Satan, that the devil Dieu bien-aimé, a quitté cet endroit, has Père, left this place. Seigneur bien-aimé, Lord, celui qui était en train d'éliter est devenu. Il a reconnu qu'il est libre, Père. The people that were battling recognize that they're now free. Que nous ne puissions pas oublier. May we not forget that we. La seule chose à faire, c'est the only thing for us to do is to give you glory. Merci, to thank Dieu you. Bien-aimé, et de ne pas encore lutter, Seigneur. And to not continue to fight the way we've been fighting. Nous laissons le reste du service entre nous. We commit the rest of these services unto you. May you be with us. Aide-nous, Seigneur. Help us, Father. Que nous puissions pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. To not be forgetful listeners. Mais que nous puissions s'éteindre. But to really live. Comme tu as dit, que stand still. As you said. Que ton nom soit béni à jamais. May your name be blessed forever. Au nom de Jésus Christ. In Jesus Christ's name, we say amen. Acclamons pour Frère Ben pour l'encourager.